Bonjour tout le monde, peu importe où vous êtes maintenant, je suis content d'être avec vous. Merci de me recevoir à la maison. C'est votre visite pastorale aujourd'hui. Et en même temps, pour d'autres personnes, même à l'extérieur, j'ai proposé de voyager, prendre l'avion pour être avec vous. Je suis avec vous en Suisse. Bonjour nos amis de Suisse et les amis autour du monde. On est content aujourd'hui d'être avec vous parce qu'on veut partager quelque chose assez particulier que Dieu avait parlé à mon cœur. Parce que dernièrement, j'avais entendu parler une des ministres ici au Québec concernant le confinement de COVID-19 a dit cette phrase « Nous sommes arrivés là ». Et naturellement, elle parlait du temps où ce qu'elle devait faire des changements, que maintenant on déconfine les personnes. Et il y a, je voulais vous dire qu'il y a un « là », arrivé là, dans la volonté de Dieu aussi. La volonté de Dieu parfaite, il y a un « là ». Ça veut dire qu'il y a un temps, il y a un lieu pour que la volonté de Dieu se fasse. Et on est né dans cette génération, vous êtes né avec MCI, on a contact ensemble. C'est un « là » de Dieu aujourd'hui. Ce contact que nous avons, c'est un temps précis, que nous sommes ensemble, donc il y a ce lieu. Même s'il est virtuel, nous sommes quand même ensemble. Et il y a un temps, le temps que vous regardez, c'est le temps appointé de Dieu. Et quand il y a un « là », il y a toujours possibilité de miracle et de toute chose arrive, la volonté de Dieu peut s'accomplir. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans le « là » de Dieu. Nous sommes arrivés là. Là où Dieu va agir, là où Dieu, il va se passer quelque chose. Ceux qui découvrent leur identité. Nous avons appris que l'identité, dans ton identité, est révélée ta destinée. Dans ton identité est révélée ta destinée, comme dans le pépin, il y a l'arbre fruitier. Il est déjà là, mais on doit reconnaître notre identité. Alors, ceux qui découvrent l'identité puissent accomplir la volonté de Dieu et arriver à leur plein potentiel. C'est pour ça aujourd'hui, je souhaite, par la grâce de Dieu, je déclare que tu vas découvrir ton identité et les talents et les dons que Dieu a mis en toi pour connaître ta pleine capacité et tu puisses accomplir ta destinée en Dieu. Alors, ce n'est pas important qui tu es. Ce qui est important, c'est à qui tu appartiens. Dans la Bible, il y a « enfant de Dieu, enfant de ténèbres ». Tu appartiens à Dieu ou dans les ténèbres. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté dans ça. Et ça fait une différence. Dieu a créé l'être humain. L'être humain est créé à l'image de Dieu. Et il trouve sa destinée lorsqu'il trouve son Créateur. Il trouve sa destinée quand il trouve son Créateur. Et il trouve aussi sa raison d'être. Il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui et disent « Pourquoi je suis ici? D'où je viens? Où je vais? » Tant que tu n'as pas trouvé Dieu, tu ne peux pas savoir ça. Mais si tu trouves Dieu, tu trouves tout le reste. Alors, le « là » se trouve, on parle de le croisement entre le temps et le lieu. Quand ces deux choses-là arrivent dans la volonté de Dieu, et je vais vous montrer quelques exemples pour que ce soit plus facile à comprendre. Alors, je vais vous donner quatre écritures très vite. La première, c'est dans Habacuc 2:3. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira point si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est une prophétie qui était donnée, mais le temps n'était pas arrivé. Et on peut faire erreur des fois, comme chrétien aussi, on saisit des promesses, on fait des choses, mais on ne s'occupe pas du temps, on n'est pas conscient du temps de Dieu, le temps de Dieu pour faire quelque chose, le temps de Dieu pour entrer dans le ministère. Il y a beaucoup de gens qui plantent parce qu'ils veulent entrer trop vite. Ils voient, « Ah, j'ai le don de faire ça. » Et là, ils courent vers et ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Élisée avec Élie, ce n'était pas le temps. Élisée devait rester avec Élie jusqu'à ce qu'Élie ait fini. Je continue. Nombre 22-23. L'enchantement n'a rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. En d'autres mots, aucun sort peut vous atteindre. Mais il dit, au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Voyez-vous, le temps marqué. On retrouve aussi dans Romains 5, 6, lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Donc,
Vous voyez dans la Bible qu'il y a, oui, il y a eu des prophéties, mais il y a des temps où les choses arrivent. Par exemple, dans une des versets qui dit dans Ecclésiaste 3:11, il fait toutes choses bonnes en son temps. Si quelqu'un oublie ça, il va faire erreur dans le timing de Dieu. Je peux utiliser ce mot-là. Et je vais expliquer quelque chose très vite avec vous dans Marc 11, 24, pour comprendre le temps, la différence entre le temps de recevoir et le temps de manifester quelque chose. Alors, ceux qui ne comprennent pas ça, ce qui arrive, c'est qu'ils sont toujours en train d'espérer pour quelque chose qui est déjà arrivé. Vous comprenez que ça arrivera jamais. C'est comme si je vous ai donné un rendez-vous hier et vous attendez demain qu'on se rencontre. C'est la même chose. Regardez ce que la Bible dit dans Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voyez-vous, c'est deux choses complètement différentes. Alors, la promesse de Dieu a un temps. Et le temps de recevoir est toujours maintenant. Le temps de recevoir est toujours maintenant. Mais le temps de manifester, ça peut se manifester plus tard. On peut voir ça, par exemple, dans la guérison. Si vous voyez quelqu'un, guérison est miracle. Quelqu'un, une guérison peut, par exemple, dans Jacques 5:15, qui dit, il dit, et le Seigneur le relèvera, qui est le oint d'huile, et le Seigneur le relèvera. Alors, il y a un moment, un temps qui suit. Tandis qu'un miracle, c'est l'absence de temps entre recevoir et manifester. C'est-à-dire que les deux arrivent en même temps. Je reçois, se manifeste. C'est un exemple très vite que je dois vous donner. Alors, il y a aussi dans le « là » de Dieu un lieu qui s'appelle « là ». Alors, Dieu est partout, mais il n'est pas partout pour toi. Dieu est partout, mais il ne parle pas partout pour toi. Dieu appointe une place, ton église, ta maison, pour te parler. Alors oui, il y a des vérités qui sont dites, mais il y a des vérités qui doivent être appliquées dans ta vie, c'est par les personnes que Dieu appointe pour toi. Et je te montrerai ça un peu plus tard. Regarde Salomon, par exemple. La Bible dit, Dieu parle à Salomon. Dans 2 Chroniques 7, il dit, « Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. » Dieu est partout, mais il dit, « Mon nom va habiter là, dans cette maison. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. J'aurai toujours là. » Voyez-vous, Dieu appointe un lieu sur la terre où on peut rencontrer Dieu, un point de contact terrestre où je peux rencontrer Dieu, là. Alors, il y avait d'autres places, mais Dieu dit, c'est là que je mets mon nom. Par exemple, dans Actes 1, 4, là, rappelez-vous, la Bible dit, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem. » Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Donc, il devait recevoir à Jérusalem le Saint-Esprit. Ce n'était pas à Capernaum, ni à Judée, ni en Galilée. Il dit, allez là, à Jérusalem. Donc, c'est important d'être là où Dieu se manifeste, là où Dieu va faire quelque chose. Dieu est un Dieu d'ordre. Regardez si on regarde l'Église, par exemple. Dans 1 Corinthiens 12, 18, la Bible dit, mais maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Alors, même dans le corps, Dieu place les personnes. Il y a des personnes qui veulent se placer, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas d'être simplement où Dieu te place et là, de œuvrer là. Je vous donne l'exemple très vite de Moïse avec Aaron et Maria. Dans Nombre 12:1, il y avait une histoire de Maria et Aaron qui parlaient contre au sujet de la femme éthiopienne que Moïse avait choisie. Et quand un leader prend une décision souvent, les gens, oh, moi je trouve que non, moi je trouve qu'il ne devrait pas, que c'est des sous-leaders là, tu sais, qui donnent toujours leur opinion sur la décision du leader. Faites attention, si on prend l'exemple de Moïse ici, il avait pris une femme éthiopienne, alors ils dirent, voici ce qu'ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? » Dieu seul, moi aussi, Dieu seul. Hey.
Dieu lui dit, écoute, je parle à plusieurs personnes par des rêves, par des sons, mais à lui, je parle face à face. En d'autres mots, Dieu, quand il choisit un leader, il lui dit des choses qu'il ne te dit pas à toi. Il dit des choses au leader qu'il ne dit pas aux autres. Chaque personne qui est appointée à sa place a des messages différents de Dieu. Ils n'ont pas compris ça, naturellement. Il y a eu la lèpre et il a fallu que Moïse prie pour eux, que Dieu les délivre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait? Ils voulaient changer de place parce que Dieu les utilisait, puis ils ont commencé à dire, moi aussi, je suis capable. Moi aussi, Dieu m'utilise. Faites attention à ça. Danger de te faire déplacer. Il y a un grand danger de ça. Rappelle-toi, dans le corps, Dieu te donne peu, donc la gestion de peu crée la promotion de plus. La gestion de ton peu crée la promotion de plus. Dieu a des raisons pour te placer à des places. Quelquefois, il veut t'apprendre des leçons d'humilité. Quelquefois, il veut t'apprendre des leçons d'obéissance. Avant de conduire, il veut t'apprendre à obéir. MCI a des règles très claires, par exemple. Dans l'Église, nous voulons que Jésus seul soit élevé. Pas un homme, pas moi, pas personne d'homme. Jésus seul. Dans MCI, Jésus seul doit être élevé. On peut prier pour les autorités, on peut les aimer, on peut les servir, mais on donne gloire à Jésus. On apprécie tout le monde, on donne gloire à Jésus. Et l'autre chose que l'on fait aussi, c'est qu'on travaille très fort à construire l'Église. Pourquoi? Parce que tous les hommes vont partir, tous les ministères vont finir, mais l'Église va rester. Et on est tous appelés à construire l'Église. C'est pour ça qu'on construit la maison de Dieu. On est de la maison, on construit la maison, notre ministère construit la maison, et la maison ne construit pas notre ministère. Le lot de la volonté de Dieu. Alors, quand on rentre dans ça, il y a... C'est important de rester à la place où Dieu veut que l'on reste. Il y a des dangers. Il y a quatre ennemis très vite, que je peux penser très, très vite, qui veulent toujours nous déplacer. La convoitise, par exemple. Quand on convoite quelque chose, même au niveau spirituel, qui nourrit par l'orgueil, il y a l'abandon. Quand on abandonne quelque chose que Dieu nous a donné, la désobéissance et la rébellion. Ce sont quatre choses que je vais rentrer un petit peu, partager un peu avec vous aujourd'hui, que l'on puisse comprendre comme il faut. Ézéchiel 28 dit, « Ton cœur s'est élevé, tu as dit, je suis Dieu, je suis assis au siège de Dieu, au sein de la mer. » Eh bien, Satan, en réalité, convoitait la gloire de Dieu. Jusqu'à maintenant, il servait, il était dans la gloire, il avait une gloire, il avait une position, mais il voulait être plus haut, il voulait s'élever, il voulait être à la place de Dieu. Naturellement, il s'est déplacé de la position qui lui avait été appointée et ça l'a perdu. Abandonné, rappelez-vous, les anges, un tiers des anges ont abandonné leur place. Alors, je pourrais rentrer dans les Écritures, aller chercher ça, mais vous allez le trouver si vous lisez la Bible. Ils ont abandonné pour suivre. Alors, ils ont été influencés par ce que Satan a fait. Il faut faire attention à l'influence qui nous éloigne de la position que Dieu nous a donnée. Alors, Satan a voulu s'élever, il est tombé. Il a perdu sa position. Et c'est pour ça que c'est important pour vous et moi de rester là et de servir et attendre qu'on nous propose, qu'on nous place. Le roi Saül a perdu sa position par sa désobéissance. Il a écouté le peuple plus que Dieu. Erreur de leader. Il était remplacé par David. Il y a aussi la rébellion. Dans le psaume 106, verset 43, plusieurs fois, il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles à leur dessein. Alors, ça, c'est des dangers que pour nous, faire très attention de ne pas penser, comparer à d'autres et commencer à dire, moi, je vais être comme ça, moi, je vais être là, moi, je vais à cette position-là. Regarde, prenez la position que Dieu vous donne, servez-le avec humilité et Dieu va s'occuper du reste. Faites attention aux compliments. Quand vous faites un bon travail, les gens disent « Ah, c'est beau, c'est bon, tu devrais être ça, ils devraient te reconnaître. » Attention, ça c'est de la semence d'orgueil. Que les gens, ils veulent t'encourager, mais au fond, des fois ça t'élève. Là, tu commences à sentir ton importance. Si je suis là, c'est bon, si je suis pas là, c'est pas bon. Non, si c'est ça, t'es pas bon.
Il faut vraiment que tu sois dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire, si le Seigneur sort de moi, gloire à Dieu. Le Seigneur ne sort pas de moi, gloire à Dieu. Et l'abandon, en fait, pourquoi là, ils ont abandonné? Parce qu'ils voulaient avoir leur indépendance. Les anges voulaient avoir leur indépendance. Alors, pourquoi? Combien de personnes se sont fait avoir ne voulant pas d'autorité? L'autorité a été donnée par Dieu pour te protéger, te guider, te conseiller. Souvent, on va à l'indépendance pour faire ce que l'on veut faire, sans demander à qui que ce soit ou quoi que ce soit, permission de quoi que ce soit. Naturellement, désobéissance, vous comprenez c'est quoi la rébellion. Dieu est partout, mais Dieu ne parle pas à toi partout. Dieu veut t'enseigner, alors il t'emmène là où il y a une situation qui va tu dois apprendre des choses dans la situation dans laquelle tu dois. Jérémie, par exemple, connaissait le « là » de Dieu. Dieu lui dit, « Va dans la maison du potier, car là, je te ferai entendre ma parole. » Regardez dans Jérémie 18, verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi, descends dans la maison du potier, là, je te ferai entendre mes paroles. » Alors, quelquefois, c'est quand Dieu te dit, « C'est là. » Lève-toi, va là, va à l'église, va entendre, lève-toi, vas-y. Bientôt, on va avoir la liberté de se réunir ensemble. Soyez fidèles. Le « là » de Dieu a toujours une leçon qu'on apprenne. Des fois, c'est des situations que l'on vit. Dieu te laisse passer à travers des choses pour que tu apprennes des choses. Ici, il devait apprendre l'obéissance, la flexibilité. Quelquefois, on peut être rigide dans notre position. Non, le Seigneur dit, laisse-moi te façonner, laisse-moi te briser, te reconstruire. Alors, j'ai dit un jour, ceux qui ne demandent pas conseil finissent par demander de l'aide. Beaucoup de gens prennent beaucoup de décisions. Après, c'est, hey, donne-moi un coup de main. Demande conseil. Attends avant d'agir, au lieu d'agir et demander après. Dieu t'a placé aussi dans l'esprit. Et je vais donner des exemples. Par exemple, dans le psaume 91:11, où le Seigneur dit, celui qui est à l'abri du Tout-Puissant, il y a une place. Et qu'est-ce qui arrive à cette place? Quand tu es dans cette place, il énumère des bénédictions, de protection, de provision et tout ça. Mais il est à la place que Dieu. Donc, Dieu a une place précise. Jésus a parlé de ce « là » aussi. Il a dit « là » où je suis, c'est là que mon serviteur sera. Dans Jean 12, 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. La pire des choses qui peut arriver dans notre vie n'est pas de faire des erreurs. La pire des choses, c'est de ne pas être là où Dieu t'a pointé. Il y a des gens, des fois, oh, je suis tanné, je ne veux plus, je pars. Tu te déplaces. Dieu ne peut plus faire la même chose avec toi. Ouf! Ça donne réflexion, n'est-ce pas? Ça me fait réfléchir beaucoup. La pire des choses qui peut arriver, c'est de ne pas être là où le maître est. Je vous donne d'autres exemples. Dans 2 Corinthiens, le deuxième chapitre, verset 14, Jésus parle, il dit, « Grâce soit rendu à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Jésus-Christ, pas n'importe où, en Jésus. Si tu es en Jésus, tu as le bénéfice de la victoire. Si tu marches hors de sa parole, il n'y a plus de promesse là. La promesse est pour ceux qui sont en Jésus. » Donc, dans l'Écriture, ce qui est important de réaliser dans 2 Corinthiens 3, verset 17, qui dit, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'esprit, là est la liberté. L'esprit est partout. Mais il dit, là où est l'esprit, quoi? Là où est manifesté l'esprit, là est la liberté. Allons plus loin. Donc, le là de Dieu est comme un appointement. Quand vous donnez un appointement à quelqu'un, il y a toujours un lieu et il y a un temps. Donc, c'est important pour vous de comprendre le croisement du lieu et du temps pour que vous puissiez recevoir de Dieu.
Dieu t'appointe aussi à des personnes pour que tu sois dans la bénédiction. Tu peux entendre beaucoup de choses, mais Dieu appointe des gens dans lesquels tu reçois des révélations, dans lesquels Dieu te bénit. Dieu l'a choisi pour te toucher d'une façon spéciale, que tu puisses recevoir des miracles, des guérisons. Dieu t'appointe à des personnes pour être béni. Tu n'as pas le même effet sur tout le monde. Tu n'as pas le même effet sur tout le monde. Rappelez-vous, Jésus n'a pas été accepté comme sauveur et seigneur par tout le monde. Il y en a qui le rejetaient, il y en a qui l'haïssaient, il y en a qui... Ben, en fait, ils l'ont crucifié. Et pourtant, pour vous et moi, il est le Seigneur. Mais il n'est pas le Seigneur pour tout le monde. Il n'est pas le sauveur pour tout le monde. Il est mort pour tous, mais tous ne le veulent pas. Paul n'était pas apôtre pour tout le monde, il était apôtre des personnes qui ont cru dans son ministère, qui l'ont accepté. Et ils ont bénéficié de lui parce qu'ils ont cru que Dieu l'avait envoyé. Je ne suis pas le pasteur de tout le monde. Je suis le pasteur de ceux qui croient que Dieu m'a envoyé pour eux, qui ils m'écoutent aujourd'hui, qui vont recevoir de Dieu. Mais pour d'autres, non, pour d'autres, je ne fais rien. Mais pour d'autres, je suis une bénédiction. Alors, des exemples où le « là » de la parole a de l'effet et la provision. Je vous donne ces deux exemples. Dans Ézéchiel, la Bible dit qu'il l'a envoyé là pour parler à ses vieux os. Dans Ézéchiel 37, de 1 à 4, Dieu voulait parler à Ézéchiel et il voulait utiliser Ézéchiel. Alors, il l'emmène dans la vallée des eaux. Et là, il lui dit, « Parle à ces vieux os. » Voyez-vous, Dieu l'emmène à la place où il va avoir un effet. Une bénédiction va sortir de sa bouche. Il y a des places que non. On n'acceptera pas la bénédiction, on ne reconnaît absolument rien de tout ce que Dieu a mis en toi. Le là de Dieu est comme l'aéroport où la gloire de Dieu descend. C'est la piste d'atterrissage, si on veut. Je vous donne un autre exemple. Et on finit bientôt avec cela. Le là de Dieu est la place où il y a une provision pour toi. Dieu dit au prophète, « Va là, j'ai préparé une veuve. » C'est dans un roi, chapitre 17, versets 7 à 16. Il dit, « Voilà, pars d'où tu es, voilà, j'ai préparé une veuve qui n'a presque plus rien, mais je lui ai commandé de te nourrir. » Ça, c'est une des écritures qui m'a bouleversé pendant longtemps. Dieu a choisi une veuve qui n'a presque rien pour nourrir un prophète, et le prophète lui dit, « Donne-moi d'abord. » Ça. Vous verriez ça aujourd'hui, ça serait le scandale incroyable. Le scandale incroyable. Pourquoi? Ben parce que, voyons, elle n'a rien, comment tu demandes à quelqu'un qui n'a rien? Non, c'est parce que le prophète savait. Qu'en lui demandant de mettre Dieu premier dans la vie de cette femme, que Dieu pourvoirait. Et la Bible dit, naturellement, quand vous lisez l'histoire complète, que je ne ferai pas aujourd'hui, que elle a eu des vases remplis d'huile et ça l'a abondé. Elle n'a jamais rien manqué parce qu'elle a mis Dieu en premier dans sa vie. Et merci Seigneur pour tous ceux qui sont généreux, qui croient en Dieu, qui s'aiment volontairement, même si ils disent, oh, mais tu sais, j'ai pas beaucoup, mais je crois en Dieu, je crois et ils s'aiment. Merci Seigneur. C'est accompli pour vous. Alors, chaque miracle, il y a une instruction comme ça. Un, c'est dis une parole, d'autres, c'est touche le vêtement. Un autre, c'est « impose les mains ». Dieu donne toujours une instruction au premier rang. Quelquefois, c'est physique, quelquefois, c'est émotionnel, quelquefois, c'est spirituel. Regardez la femme et la perte de 12 ans. Elle était arrivée là, 12 ans, elle a tout dépensé. Elle était arrivée à une place de désespoir. Et là, elle a dit « non, je vais mettre ma foi en Jésus ». Elle a fait un geste tel qu'elle n'aurait jamais fait. Elle a touché Jésus. Le bord du vêtement, elle a reçu sa guérison. Alors, le temps, ton là à toi, ton là à toi.
dans ta vie, peut-être un désespoir, une situation comme elle. Ou tu te tournes vers Jésus, peut-être aujourd'hui, tu es dans une situation que personne d'autre comprend. Tu te tournes vers Jésus et tu dis, je touche Jésus par ma foi aujourd'hui. J'ai un besoin, j'ai un miracle. J'ai jamais avant cru ou j'ai jamais reçu, mais aujourd'hui, je suis là. Le là dans ta vie, peut-être, le médecin qui vient te dire, il n'y a plus rien à faire dans ta vie, on ne peut plus rien pour toi comme cette femme. C'est peut-être cela. Où tu es rendu, où tu es prêt à agir par la foi. Le là dans ta vie, peut-être un divorce douloureux, des moments difficiles que tu as vécu et tu ne vois pas de solution. Tu as même pensé au suicide dans ta vie. Tu es là pour agir et donner ta vie à Jésus. Le là dans ta vie, peut-être la réalisation qu'il y a un vide à l'intérieur, que la vie sans Dieu est finalement insensée. Peut-être tu as été abusé, rejeté par d'autres personnes. Et tu es rendu là où ce qui doit se passer quelque chose dans ta vie. Je suis rendu là où ce qui peut se passer quelque chose dans ma vie. Le vide de solitude, rejet, confusion. Dans ta vie, tu ne peux rien remplir. Jésus est le là de Dieu. Jésus est le là de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi et je finis avec ça. Dans Actes 3, 25, il nous dit exactement, écoute bien, c'est lui que Dieu a destiné. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire. En d'autres mots, Dieu t'a destiné à cette rencontre aujourd'hui avec Jésus, aujourd'hui pour ton miracle, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, nous sommes dans le là de Dieu, c'est le temps de croire, c'est le temps de recevoir, c'est le temps d'être guéri, et je vais faire une prière pour vous. Il y a trois points de rencontre de Dieu, je vais vous le dire très vite. Dans ta chambre, la Bible dit, va dans ta chambre, dans Matthieu. Dieu est là. Quand tu pries, Dieu est là. L'autre, c'est dans, si Matthieu encore, verset, chapitre 18, il dit, car là où deux ou trois se réunissent en son nom, je suis là, au milieu de vous. C'est en son nom qu'ils sont réunis. Et le dernier, c'est dans Romains 10, verset 6, qui dit, si tu crois avec ton cœur et confesses de ta bouche, Dieu va venir habiter là, dans ton cœur. Voilà trois façons de rencontrer Dieu là. Et aujourd'hui, tu es dans le là de Dieu. Alors, je vais faire une prière. Fais simplement dire, Seigneur Jésus, tu l'as avec ton cœur. Dis-lui, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Tu es là. C'est le moment. Sauve-moi. Habite en moi. Aujourd'hui, je te reçois comme mon sauveur personnel. Mon sauveur personnel en qui j'ai confiance. Dis-lui, aujourd'hui, aimons là de Dieu. Je suis là, Seigneur. Dis-lui, je suis là. Merci, Jésus. Tu fais cette prière avec moi, on va te donner l'instruction après par la vidéo. Tu as besoin de guérison ou de délivrance? J'étends la main vers toi, étends la main vers moi. Au nom de Jésus, nous sommes là, Seigneur, prêts à utiliser notre foi pour recevoir aujourd'hui. Nous sommes là, reconnaissant notre besoin et venant à toi par la foi pour être guéris, être délivrés. Je sens que tu es là. Je sens que tu es là avec ta foi et que Dieu est en train de te toucher maintenant pendant que je parle. Dieu te touche maintenant. Il te sauve, te guérit. Et je donne gloire à Dieu pour ta foi. Et je remercie Seigneur de t'avoir donné cette lumière. Aujourd'hui, je te bénis. Je bénis tous les chrétiens qui sont là, qui s'échangent. N'oubliez pas d'être avec nous constamment, d'aller voir sur le site Internet pour avoir toutes les activités. Et on va continuer de se rencontrer de cette façon-là. Puisse
qui vous être béni abondamment. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Wow! N'est-ce pas que le message était édifiant aujourd'hui? Je t'avais dit que ça allait rencontrer ton besoin. Si tu es de ceux qui a dit oui à Jésus, on a de la littérature pour toi afin de mieux t'aider à comprendre c'est quoi les prochains pas à prendre. Fait que voici la vidéo pour t'aider à faire les prochaines étapes. Si vous êtes nouveau et avez dit oui à Jésus aujourd'hui, cliquez sur l'onglet « J'ai dit oui à Jésus ». Rendu sur la page, cliquez sur le bouton « Donner mes informations ». Ensuite, vous aurez simplement à remplir le formulaire avec les informations demandées, puis à le soumettre. Ainsi, vous resterez connecté à la vie de l'Église et cela nous permettra de mieux vous aider dans cette nouvelle décision que vous avez prise. Alors, félicitations à tous ceux qui ont dit oui aujourd'hui à Jésus. Laissez-moi vous dire que c'est la meilleure décision dans toute votre vie. Et j'aimerais maintenant vous souhaiter une excellente semaine parce que oui, on est rendu à la toute fin, mais on a rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous!